traîne avec, à l'époque, ils étaient en Suisse. Ça, c'est quelqu'un que je connaissais quand j'étais jeune. Mm-hmm. Mais c'est mes parents, après, on reste amis. Mm-hmm. Donc, c'est Lolo qui m'envoie un message. Maintenant, j'avise les abonnés du Congo. C'est mauvais, les filles là-bas, il ne faut pas que ceci machin, parce que c'est un peu dehors, peut-être qu'on peut te filmer. Il me répond, mm-hmm. et je monte à Lolo. J'envoie ça à Lolo, je suis obligée, tu es ma fille, je mm-hmm. te dis la vérité, c'est vrai. J'envoie à Lolo comme je peux t'envoyer. Oui. Merde, Lolo, il paraît que Lolo sort ça. Ou le monsieur me dit que tu m'as connu. Si c'est que cette fille me connaît, qu'elle te dit comment est mon corps. Mais... Lolo a ça pour dire qu'elle va montrer que je sors avec, je ne sors plus avec. C'est mon parrain. Et c'est des gens que j'ai appelés quand vous étiez derrière pour mettre Lolo en prison. Moi, je l'ai appelé. Je connais le nom, je ne dis pas. C'est une personnalité. On a Lolo à l'aéroport pour la garder. Qu'on la laisse. Personnalité, je connais parlé. Le nom. Valérie ne ment. Jamais. Ma petite nièce, Lolo, elle dit à Yoli Daske, j'envoie les filles, j'envoie les femmes à Yoli Daske. On ne donne pas le nom parce que c'est un généreux. Une petite fille. Yoli Daske, où je parle combo avec lui. Ah, viens me retrouver à l'hôtel. Quand je vois. Yoli Daske, un petit bordel. Il ne vaut pas la peine. À maman, ça a été non. Quand tu as fait quoi? C'est quand Flore a fait pour moi. Je peux faire le bifouque, oui, je vais t'en faire. Ce que Flore a fait pour moi-même, Dieu va me punir. Voilà. Merci pour la reconnaissance. Je lui ai dit, dis à Flore. Elle est ma fille, elle est ma fille. Non, elle m'a dit, quand elle était rentrée là, elle m'a dit que j'étais avec ta mère. Elle dit que pardon, c'est vrai. On a dit qu'elle va m'entrer. Elle dit que non, elle a dit que pour rien au monde, elle ne peut jamais pas. Non. Lolo ne peut que me dire, hein, la mère, il faut le faire rien, il faut l'enfermer, il faut, oh, oh, ma chère, je ne fais que mentir à Lolo. Alors que moi, je suis là, je demande même à ma chambre de ne même pas aller au-delà de ce qu'elle a dit qu'elle va déposer plainte. Vous voyez à quel niveau? Alors qu'elle disait à ma chambre qu'il faut qu'elle enferme Flore. Yeah. Moi, je suis là et dis à ma chambre que non, laisse, on a déjà résolu le problème sur Facebook. Ne porte plus plainte. Donc, elle, derrière, quand elle était avec maman Chan, elle disait que il faut l'enfermer, il faut l'enfermer. Vous voyez? Vraiment, la tête. J'ai dit à l'autre. Elle avait rincé. Ils ne marchent pas ensemble aujourd'hui. Quelqu'un insultait Amour. Ou bien... Attends, Amour aussi, fasse attention. Non. Comme on dit là qu'elle enregistre les gens, Lolo a quoi de moi? À part qu'elle va parler d'amour, elle va parler de ci. Qui n'a pas encore parlé de l'autre que elle m'envoie les fausses. Amour, tu entends? Vando, Amour, Martin. Vous aviez entendu? Madame Aïssi dit qu'il faut que vous fassiez attention. Que si aujourd'hui elle se retrouve dans cet état, dans cette situation, demain, ça serait qui? Peut-être que vous. Be careful in English. On se parle et tout. À part ça, elle a quoi sur moi? Lolo connaît quoi? On est venu dans la vie de l'étudiant. Quand je parlais avec toi, elle n'a jamais parlé avec Lolo. Lolo, on n'a jamais été assise comme ça. Lolo joue ma chanson parce qu'il lui dit que la promo, c'est comme ça. Comme tu n'as pas d'argent, si un artiste veut jouer, paye comme on va te doit se payer comme un canal 2. C'est moi qui l'instaure dans ce truc parce qu'elle est mendiante. Elle est chaque jour en train de. Je dis non. Elle est mendiante. Je peux te demander l'argent. On m'a dit que comme elle était à Dubaï, elle a demandé que tu lui donnes 300 euros carrément. Elle avait dit. Elle a dit que c'est pas non cotisé. Je t'ai envoyé le lifting, non. Tu vois, oui. Comment elle demande l'argent, non. Elle avait demandé. Quand je regarde et tout ce qu'elle dit, machin, si elle te dit ce qui s'est passé avec eux. C'est pour ça que quand je réunis ta semaine, je travaille. Tu es mauvais. Comment Lolo peut bloquer ma nièce? N'est-ce pas, Lolo a dit que c'est sa relation. C'est la relation qu'elle a connue derrière Machan. Qu'elle dit que c'est sa relation qui est venue la sortie de la cellule. Je vous dis donc que c'est sa relation qu'elle a connue derrière Machan. Vous entendez avec quoi? Moi, je m'entends avec ma tête. Vous entendez avec quoi? C'est sa relation qu'elle a connue derrière ma chambre. Quand tu es présente, quand tu vas derrière bloquer le... Tu es mariée. Lolo, laisse ton téléphone. Elle fait
changer le téléphone du petit. Elle contrôle tous les trucs du petit. C'est pas un problème. Okay. Lolo ne peut rien sur moi. Elle ne peut rien contre moi. Une personne qu'elle n'a jamais vu qu'elle est ici en Bénin, elle est comme ça là. Mais c'est pas possible. Lolo, elle menace ma chambre. Quand elle fait l'amour avec le petit, il est marié avec la nièce de Tata Doudou. La fille est ici. Lolo se prend déjà pour... elle était dans une autre chambre. La nièce de Tata Doudou est Rosine Assia, hein? Rosine Porceau. Désolée, hein. Quand tu te maries avec un connard, c'est normal que ton nom se retrouve sur des conneries. Désolée, ma chérie, hein. Assia Rosine Porceau. Voilà qu'on parle de toi sur des réseaux sociaux pour rien. Et Tata Doudou, désolée, hein. Hein? À cause de qui, Pipito? Parce que le jour qu'ils sont en train de s'engueuler, que le petit lui dit à ma mère que je te baise toute la journée et tout, il dit, mais petit, suis ta maman, tu peux pas parler comme ça. Yonidas. Mais Lolo est malade. Elle dit que, oh, j'étais envoyée à vos. Lolo dit que, oh, elle m'a refusé de LLP. Tu as des problèmes avec Lady. Même si Lady veut te pardonner, tu n'es pas sûre. Non, elle ne voulait même pas. C'est à cause de vous que Lady là, c'est à cause des Yoki Onana, tout ça là. Lady ne voulait pas. Hein? Elle ne voulait pas. Je ne marche pas avec les ennemis de Lady. Comment tu vas aller chez Coco en chanter? Coco t'appelle, c'est aide-moi à détester. Il y a même certaines personnes, certaines personnalités qui ont même refusé de recevoir Lolo dans leur bureau. Lolo même ne sait pas. Et que machin, derrière, elle suppliait que non, c'est ma personne. Elle est dans une situation compliquée. Lolo, tu le sais? Non, tu ne le sais pas. Il y a des personnalités qui ont refusé que tu viennes dans leur bureau. Mais machin avait supplié que non, c'est ma petite. Elle me soutient là avec moi. C'est pour cela que tu es entrée dans certains bureaux. Ça va aller très mal. Non, même si elle a l'université, Lady, celle a dit qu'elle t'accepte, elle va te pardonner. Laisse. Parce que si tu continues à marcher avec ses ennemis. Facebook, je vous respecte. Il y a quelqu'un qui dit Mendoum Biakam. Il fallait dire Mendoum Binda. Mendoum Binda. 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 Tu vas chez Maman Katino, on te voit. Tu te filmes. Maintenant, tu vas aller. Lolo Pipi. Chantal Aïs dit que Katino, c'est sa sœur. Elle roule par terre, elle tombe, elle s'engueule, elle bagarre avec elle. Tu ne peux pas les diviser. Elles sont des sœurs. Que tu dois mettre ça dans ta tête. Que si tu essayes, tu verras que même le jour que tu es avec Katino, elle t'attrape, elle tape. Katino ne va pas séparer. Machin, je suis l'envoyée spéciale de Machin. C'est Machin, c'est ma patronne. Elle a dit ça. Partout, c'est normal. Tu vas partout. Mais comment ça, c'est le aide-moi à détester. Elle aime rappeler. Moi, je ne sais pas quel temps elle prend pour passer au téléphone comme ça, à parler aux gens en longueur de journée. Hé, Pipi, tu prends quel temps? Je lui ai dit, tu ne peux pas aller, que l'aide te voit encore avec, ils sont au tribunal. Je lui ai dit, tu ne réfléchis pas. Non, elle m'a appelé, non. Il faut réussir à sortir du cadre. Il t'a dit que la gendarmerie ne va pas te récupérer à l'aéroport. Réussis d'abord à rentrer. Elle parle d'Evra. Elle demande quand qu'elle dit qu'elle a. Evra est venue coucher avec elle. Okay. Elle a fui. Elle m'a appelé qu'elle n'arrive plus à voir Evra. Moi, je connais Evra depuis. J'ai les deux numéros. Même leur propre. Evra m'appelle souvent. Il me dit bonjour. Il m'appelle. Hein. Je te dis même pas aux États-Unis. Il m'appelle. Comment tu vas, ma fou? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Quelqu'un de très calme. Mais sans plus. C'est ça que les mecs disent traitement. Tu lui demandes un de ces jours, c'est que l'affaire, si il va te dire que c'est Chantal qui m'a appelé de l'aider. Quand je l'appelle, il dit, tu vois ce que ta fille a fait. Elle dit que c'est toi qui m'as forcé de l'aider. Quand il finit de gnasse avec, il a menti. Ce n'est pas qu'il a gnasse. Elle t'a menti. Il a l'air une seule fois. Il a fui. Elle est go à Dubaï comme ça. Elle avait rendez-vous avec lui là-bas. Non, c'est pas lui, c'est son ami. Parce qu'il ne le voit, il ne c'est fini. Il a fui. Elle a commencé à me dire que oh, le jour que le juge machin, elle a commencé à me dire que non, il n'est pas là, je fais comment? Deux jours, trois jours, machin. C'est moi qui appelle. Tu ne peux pas faire ça.
tu as donné la bouche, viens. Et c'est comme ça qu'il me dit que cette fille, non, machin, je lui dis que non. Il dit, bon, je vais appeler pour toi. Ils avaient même eu des problèmes. Elle lui a dit, ne m'appelle plus, je suis un non-mari. Donc, ce qu'elle veut, la honte, là, on va sortir ça. C'est-à-dire, elle couche avec Paul Désir. Elle part, elle va coucher avec... Evra ne savait pas. Evra, là, maintenant que tu lui donnes le whisky, tu finis avec... Le lendemain, le gars fuit. Il y a un gars qu'on appelle Wamba. Comment on appelle encore Abouala? Il lui a donné le champagne une nuit, il a fui. Seigneur. Il est parti. Comment on appelle encore... il a un nom, là. Il a fait une boîte de nuit. Il a une boîte de nuit. Il a un nom, c'est... Oui, un gars parmi, comment on appelait, peu mince. Il a la voix de nuit à Douala. Tu es le macabre, il m'en va. Il avait à Douala. J'arrive. Il s'appelle, c'est Chamba, Willy Chamba. Même avec Willy Chamba. Willy a fini avec un jour, après le champagne, papa. Il voulait venir me faire ça. Il lui a dit que tu veux finir avec les femmes. Moi, j'ai escroqué. Willy, je lui ai dit, envoie-moi le transport. Il a envoyé 300. J'ai mangé, il veut parler. Je lui ai dit, ne parle pas fort. Tu viens de Comment? Si tu continues, j'appelle même ma copine là, qui est députée, tout ça là. Mon amour. Et c'est pas possible. Fille qui ne voit pas en pantalon, dès que tu lui présentes un gars, si on te dit que ce Doudou Ngamba, elle, le même jour, elle a trouvé un ami de la famille de Doudou Ngamba qui venait des États-Unis. Oh, les gars partaient en boîte, elle a dit qu'elle part avec eux, elle est partie avec le gars, finir avec la même nuit. Maman, une nuit. Donc parmi là, une nuit, il y a l'autre qui allait, Binda, qui allait la retrouver chez elle. Quand le gars est revenu, il a trouvé qu'on a cassé toute la maison, on a tout volé. Il y a d'autres qui ont Binda à l'hôtel, une nuit, ils ont fui. Hey, yeah, maman. Ils ont fui. La qualité, là, on appelle comment? Chez nous, les petits, on dit Oudzoklaman, la banane est accrochée au carrefour. Chez les Bamileke, on dit les arachides du deuil. Les arachides du deuil, c'est quoi? Quand tu vas dans les deuils des Bamileke, il y a le plateau d'arachides ou les sachets où on te met ta part, tu manges. Et les œufs, tu arrives comme ça parce que j'ai vécu avec les gens de l'Est, de l'Ouest. Quand il y a deuil, on prépare des marmites d'arachides et des œufs. Quelqu'un vient, il prend, on met, tu prends, tu casses ta part, tu manges. Maman, akabazout. On appelle ça akabazout. Maman, quand nous on part au Cameroun en vacances, on binda avec un seul gars pendant 3 mois. Tu pars au Cameroun 3 semaines, tu binda avec au moins 8 gars. Hey! On appelle ça le faux fesses. Machan dit que, mes gens, le gros Congo, ça, Machan dit qu'elle n'a même pas, elle n'a pas tout dévoilé. Vous entendez avec quoi? Machan dit qu'elle n'a même pas tout dévoilé. Que ce n'est que le cas qu'elle a dévoilé. Ce n'est que le cas. Qu'elle a dit. Machan dit que Lolo s'amuse avec elle. Elle la connaît. Que c'est une autre. Que ce qu'elle a dit, ce n'est que le cas. Qu'elle met Lolo au défi. Lolo, si tu es intelligente, hein, tasse-toi un peu. Parce que la honte te reviendra très grave. La honte. Vous comprenez? Machan dit que ce qu'elle a dit, ce n'est que que c'est même pas beaucoup. Donc ça veut dire que en 3 semaines ou 1 mois que tu as fait au Cameroun, tu as même peut-être un binda, même 12 gars. En fait, c'est ton corps, mais à un moment donné, il faut se faire respecter. Tu es libre de donner à qui tu veux, mais il faut se faire respecter.
Tu ne peux pas arriver dans un même cercle, tu vis dans quatre gars. Ça fait de toi une femme légère, ça fait que tu perds de la valeur de la femme que tu es. C'est dommage. Et Machan dit que tu t'amuses. Elle va te boxer jusqu'à elle va dormir en cellule. Ma copine m'a faux. Oh yo, ayo, bayo, bayo. Attendez, on va écouter le Congo. Ça, nous, on est là pour le Congo. Attendez, oh ma chère, c'est comme ça que Lolo, comme on insulte les filles à deux derrière Lolo. Lolo me dit que comme Vasquez est. Un jour, on est dans sa banque, la petite arrive. Attendez, nous, on cherche le Congo. Merci, ça. Nous, on doit mourir pour le Congo, ça. On doit mourir pour le Congo, ça. Quand vous suivez pour moi là-bas, est-ce que je vous dérange? Hein? Quand on fait pour moi là-bas, est-ce que moi je vous empêche? Venez aussi suivre pour les autres chez moi. Maman. Ouais, la veuve, tu as vu? Ils sont en train de faire marche arrière là-bas dans la brousse. Tu as vu la photo? Tu as vu? Ils sont en train de faire marche arrière. Il y a le vent ici en France. C'est maman, le bruit de ça. Maman, c'est grave. On écoute le Congo, ça. Hein? Attends. Est-ce que les salles quelque part? Ah, il y a un peu de commander les habits, est-ce que vous allez commander les enfants? Est-ce que c'est. C'est pas toi? C'est pas toi qui raconte partout que. Nia Barano, bonjour. Mon frère, c'est comment non? On n'écoute rien. Ah, on écoute. Oh, mon frère, le sang. Nia Barano. Alors là, tout à l'heure, je vais mettre ta vidéo là où tu finis avec le pipi. Hein. Ok, vite, viat, viat. Nous rapportez, viat, viat, viat. Quand c'est le Congo. Ok, vite, viat, viat. Nous rapportez, viat, viat, viat. Quand c'est le Congo, ça. Quand c'est le Congo, ça, vous êtes fort dans ça. D'accord? Quand c'est le Congo, ça, vous êtes fort. Elle cherchait à se venger parce que j'avais lancé un boycott contre elle. Mais là, pour elle, c'était pas parce qu'elle avait voté mariage. Non, c'est parce qu'elle fait normal, il y avait des raisons. Elle avait raison, mais toi et moi, on n'a jamais parlé politique, jamais de la vie. Toi, on a jamais parti avec quelqu'un de la base, en tous les sacs. La marche, donc, en fait, on s'est affiché dans son direct. Donc, Flo est monté en voiture, mais c'est pas une marche politique. C'est pas une marche politique. Est-ce que, c'est que dans un chèque, il y a tous les gens qui exagèrent. Parce que c'était une marche, on parle pour le peuple, pour tout le peuple camerounais, tu vois. En parlant, c'est pour les enseignants, OTS. Exactement. Mais ça n'avait pas forcément déjanté. Parce que même toi, tu peux te retrouver à côté de moi, hein, c'est moi qui m'en a dit. Et comment la chanter pour lui attendre, tu vas pas parler déjanté, je sais qu'elle dit. Bien sûr. Donc c'était pas une image politique, je suis désolé. Ça n'avait rien à voir avec du politique, on avait. Chaque jour, nous, il y avait même celle-là qu'on appelle la maman des bobos, elle était là. Elle était pas la politique, tu vois. Il y avait beaucoup de gens, il y avait de la société civile, il y avait beaucoup de personnes. Donc quand ça avait suivi, il y a un cas, donc quand on se flore, non, non, flore n'a jamais parti dans la base, c'est pas que les soutiens flore, non. Moi, écoute, voilà, la vie peut être vraie. La seule personne qui a parti avec la base, c'est ça, pas ce que Nia dit là n'est pas faux parce que Lolo, quand on l'a interpellée, elle est allée dans un bureau. On a tapé son ventre avec les menaces. Elle a beaucoup parlé. Elle a beaucoup parlé. Et quand elle a parlé, elle a cité les noms des gens de la base. Nia ne ment pas. Nia, Valérie dit toujours la vérité. Nia ne ment pas.
C'est pas le temps qui t'a dit. Voilà. Donc, il faut pas mettre les points de vie. Et je pense que ma page va se débloquer. Je vais organiser un direct dans ce centre-là pour expliquer les clients très chauds, tu vois. Mais j'ai une question à te poser, général. Ouais. Et que, il y a aussi une guerre entre Coco Argenté et tu penses. Est-ce que tu crois vraiment que c'est ce dont on accuse les dupons d'avoir boycotté, d'avoir organisé la boycott de Coco Argenté? Franchement, tu es la personne la plus indiquée à répondre à cette question. Est-ce que tu penses? J'avais déjà fait un live, je crois, en 2020, par rapport à ça. Il y avait certains Mireille qui étaient venus témoigner dans mon live. Les dupons, à une époque, ont voulu vraiment qu'on dispute la carrière de Coco Argenté. Là, il faut qu'il ait vu, qu'on se dise la vérité, mais après, on n'est jamais partisan de ça, tu vois, je n'ai jamais été partisan de ça. Maintenant, si tu te passes entre elles, moi, je ne sais pas. Mais comment on peut pas se mentir ça? Comment elle a voulu... parce que là, il dit que c'est elle qui a organisé le boycott de sa consoeur. Moi, je te dis, il y a certains secrets, il y a certains dossiers sur la table. On avait fait un direct en 2020. Bon, moi personnellement, j'ai été approché par son équipe, une certaine bien, elle avait témoigné. Si mon Facebook, il y a vraiment par la loi, notre Facebook. Elle avait témoigné en 2020, au moment du Covid, elle avait témoigné et qu'effectivement, il y avait rencontré Niak. Elle est venue avec le son à Major. Envoyez les cas, nous ne devons pas louper le Congo. Ça, c'est ça qui nous retient le soir. On ne regarde plus Nouvelles ou bien Nollywood. C'est sur Facebook qu'on est maintenant. Netflix, on ne regarde plus, dis donc. Attendez, on écoute le Congo. Ça. Désolé, je n'ai pas pris. Je n'ai pas pu cette sous. Donc moi, tous les boycotts, tout le monde est lancé contre quoi lancé. C'était de tout cœur, sans une main noire derrière. Bien sûr que la main noire ne va pas approcher, mais moi, j'ai refusé. Je ne sais pas donc si d'autres gens avaient accepté, ils m'accompagnent à ce boycott, tu vois. Mais moi, personnellement, j'avais refusé, tu vois. Moi, j'ai le boycott, pourquoi j'ai lancé parce que, j'avais mes raisons. Et j'arrête de boycott comme quoi lancé parce que, c'est ça, tu vois. Mais très honnêtement, est-ce que tu penses qu'une artiste pourrait dire à la base qu'on boycotte une artiste? Je pense que c'est possible. Bien sûr, on travaille, tu vois, on va pas travailler, comment il y a des informateurs. Il y a les vidéos qui sortaient, il y a les gens qui nous sortaient les vidéos des autres artistes, mais écoute, je n'ai pas vu ça. Mais nous, il y a souvent, comme peut-être, je vais prendre le cas de quelqu'un. Moi, Longuet était un très grand artiste, tu vois. C'était un monsieur qui a chanté mon nom trois fois dans ses morceaux. Sans que je lui donne même un euro. Sans que je ne sache pas, non, c'est une surprise. Parce que là, je n'ai pas fait le combat, tu vois. Longuet est venu une fois avec une vidéo. On avait vraiment fait un tour, une vidéo de Ben Deka, on avait mis la vidéo. Donc, j'ai dit, il a même mis ça à l'époque, il avait un texte en commun. Il avait dénoncé Ben Deka, voilà, Ben Deka, la vidéo, elle était faite avec un ensemble, et le petit blanc, à la photo de Diadissu, heureusement, non. Mais j'ai dit à Longuet, non, moi, je ne peux pas accepter ça. Ça avait même fait les problèmes avec mon équipe, moi, parce que l'équipe a cru qu'on a pris l'argent à Ben Deka derrière, tu vois. À cette époque-là, l'idiot qu'on a fait calibrer était parti monter un truc comme quoi. Il y a quelqu'un qui dit que j'espère qu'ils mettent le préservatif. On ne sait pas, mon frère. Quand vous-même vous voyez les entrejambes de Lolo toujours mouillées, ça veut le grattement. Voilà pourquoi elle écarte son jazz tout le temps. Natacha, tu n'es pas bien. Et Cathy, qui était la fille du peuple, c'était faux qu'en 2018, c'est elle que moi, il chantait sur tous les fronts. Donc j'ai dit à Longuet, non, je ne peux pas me baser sur cette vidéo de Ben Deka pour boycotter Ben Deka. J'avais refusé. Mais les gens ont dit, écoute, tu as pris, je l'espère. Parce que dans la vie psychologique, la loi n'est pas rétroactive. Si toi, tu jamais, tu rentres par exemple, il y a tes enfants, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir un enfant dehors à 18h. C'est la nouvelle loi que tu te mets chez toi. Mais si c'était ton fils, elle était plus que papa, hier, elle était en tant qu'adulte, ben toi dis non, alors il y a moi, toi tu dis à partir d'aujourd'hui, tout ce qui s'est passé hier, j'en te regardais pas, toi tu dis à partir d'aujourd'hui, et là tu vois l'enfant, je te dis, c'est que même si elle est arrivée il y a minuit, c'est pas ton problème, toi tu mets ta loi aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle elle avait le boycott de Ben Deka, parce que Ben Deka, il a eu, quel artiste a fonctionné dans le RDPC, quel artiste, aucun ici parmi nous en diaspora même, n'a pas eu personne dans sa famille ou son père ou sa mère qui a sur le RDPC. Non, la parole à partir de Dieu, je sais qu'ils sont partis soutenir bien, c'est tout. Non, les gens arrêtent toujours de mélanger certaines choses. Moi, je suis tout la logique. C'est pas que toi et moi, on va jamais s'entendre. Moi, je suis tout la logique. Quand ils disent comme ça, moi, je suis comme ça, parce que moi, je suis vrai. Mais tu penses que c'est quand même grave de dire que le même, ok, a apporté une vidéo pour qu'on boycotte un des cas.
Quand tu dis que c'est grand, quand tu dis que c'est grand, ça veut dire que c'est vous alors qu'il a dit qu'il ne voulait pas échanger un Cameroun nouveau. Moi, je dis la vérité, moi, c'est l'ongle qui m'avait donné cette vidéo de 24. Est-ce que moi, j'ai pas besoin de l'autre avant les deux d'aller chercher? On sait que un activiste politique, mais Mendel Longuel, par exemple, c'est un artiste, il ne peut pas chercher à faire boycotter son collègue artiste. Il va être laisse tomber, moi, je te parle, l'ongle n'est pas mort. L'ongle n'est pas mort. Moi, je te dis la vérité. Et l'ongle a sorti la vidéo de 24. Est-ce qu'il cachait? Il ne cachait pas, lui-même, tu peux te passer au niveau pour la télé, il va te dire. Et l'ongle avait sorti la vidéo de 24. Vous dénoncez que Mohamed est négatif à la vie, vous êtes longuet, longuet, c'est votre vidéo. Mais si Mohamed ne parle pas de longuet, longuet, je vais la tailler, mais ça va le faire. Et moi, je dis la vérité parce que c'est comme ça que moi, j'aime le faire parler. Quand tu comprends? Quand tu parles de, par exemple, que le nôtre avec vous, c'était par exemple de donner ce genre d'informations sur les artistes à boycotter, les positions, je ne sais pas. Quel pour quel. Oui. Elle jouait le rôle d'indique. Tu vois? Et ce qui te parlait, moi, j'ai dit la personne de l'ONU invitait beaucoup. Moi, j'ai le nom, c'est Chantal ici. C'était Chantal ici. Elle était ici, elle avait, et à un moment donné, elle avait beaucoup d'informations. Même le département de diaspora. Alors, on en sait souvent comment c'est. Partagez. Elle n'est pas seule. Il travaille avec nous. Il y avait Patrice à Genève qui a écrit tous les réseaux. Elle était nombreuse. Et le n'était pas la seule qui travaille avec nous. C'était vraiment un rouleau compresseur. On avait vol. Parce que c'était vraiment bien organisé. Tu vois un peu. Donc, c'est ça qui s'est dit. Quand je lui dis, bon, je n'ai pas dit que ma parole était une parole d'imagination. Moi, j'ai dit ce que j'ai vécu, quoi. Tu vois. Mais tu penses que. Je pense que madame Aïssi pouvait donner des informations à Lolo sur la base. Mais tu ne veux pas donner des informations à Lolo. Sans ça, on ne connaît pas beaucoup d'informations à Lolo, Tata Aïssi. Voilà. Tu n'as pas de leur amitié parce que Lolo a dit justement. Ils ne sont pas de leur amitié, par exemple. Et puis, viens, tape le nom. Ah, les gars, là, vraiment, tape les gars, les gars. Les gars sont des salopes. Tata Aïssi, petit. Les gens sont des chiens, le président même là. Est-ce qu'ils sont au courant de là? Les sont des chiens. On a dit de vouloir les tirer comme ça. Et puis, ça, Lolo, ils se rendent pas compte. Lolo, directement, qu'est-ce que vous avez appelé? Non, c'est tout. Là, tu serais en train de dire, je parle conditionnel, tu serais en train de dire que Lolo s'est servi de chanteur ici. Non, tu peux parler de conditionnel, moi, je ne suis pas là. Non, en fait, bon, là, c'est les vidéos de YouTube, parce que je vous ai dit que moi, je n'ai pas mes informations à Facebook. Donc, ça t'éteint. On était à Yaoundé, on est, c'est Nyadmé qui m'a dit, il m'a envoyé, on a voyagé dans le même maman. Vol. Le fameux 11 février là. On était ici. Donc, le nom était dans l'avion avec nous. C'est Nyad qui m'a dit, il m'a, donc, il y avait des informations, tout. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que oui, tu as voyagé avec nous. C'est Nyad qui m'a dit ça. Parce que moi, elle dit, ouais, j'ai voyagé avec vous en premier en business class. Elle n'a jamais voyagé avec nous en business class. Elle était attachée en bas là-bas. Même arrivée ici, on a d'abord mis dans un centre ici à l'aéroport. Donc, on a des délinquants. J'ai dit, comment tu as des informations? Comme il y a dit que, comme le nom les a trahis, il faut se savoir qu'elle aussi. Oui. C'est la brasse, c'est les Nyad qui ont fait rapatrier le nom. Là, même jour, on a atterri à Yaoundé, non? Pourquoi nous, même que c'est vous, on doit aller à Douala, pas de faute. Il y avait la guérilla au Cameroun, à cause de ses fiancés, beaucoup de temps. Elle donne des informations. Chantal, il s'est trahi. Chantal, il s'est aussi. Voilà Nia qui parle. Oui? Voilà Nia qui parle. Donc, dans la base, nous avons vu. Dans l'avion, dans la voiture, en train d'aller prendre le vol à Yaoundé. Et quand je disais que Lolo a dit qu'elle reste, maman, quand ils ont pris ça, on dit que la façon qu'on a arrêté Lolo, il y avait des policiers, là seulement, des menottes et tout. C'est elle vrai. A passé. C'est mon oncle qui a délégué en bas. Les gens qu'on a arrêté. Le vol à Yaoundé. Oui. Les menottes. Mon oncle. C'est les gens, c'est le délégué. Qui m'a dit. Tu vois Lolo? Tu as voulu jouer avec les gens. Donc, tout ce que ma chanteuse fait. Elle est ancrée dans le bureau du délégué comme ça. Le délégué lui pose des questions. En tout cas, continuons. Comme ça, pendant des heures. Notre ami Nyad, vous allez comprendre qui est Lolo. Continuez à lui faire confiance. Valérie Amourou dit toujours la vérité. C'est réel. Donc, pas pour le conseil, pour le site, tu t'avais fait réel. Donc, elle dit que moi, je suis avec elle. Pourquoi tu me dis que tu vas aller parler de moi, j'ai déjà dit le d'accord. Tu n'es pas obligé de croire ou pas, mais moi, j'ai dit qu'il est passé. Moi, je suis en train de le faire. Moi, seul, elle est en plus, elle
aller par la salle, comment il est bien du tout. Demande le loulou, parce que là, on ne l'a pas pu. Tu penses que nous sommes les magiciens, pour savoir ce qu'on fait, certains de certains déclarements, ou certaines têtes de portée, on va se diviser comment. C'est comme la police. Si on demande que la police, on sait qu'on est en train de partir, mais en allant à la tour de la voiture. Si tu n'as pas une énergie, si tu n'as pas mon ami, qu'est-ce que tu as fait pour dire? On est en train de la magie. Moi, je me demanderais, mais quand Paul est arrivé ici, il n'a pas ce jour. Donc, c'est elle, parce que c'est comme Macha avec les gens là. Macha lui disait, elle a payé les gnats. Il savait que Poubia est à Genève, Poubia est à Paris, ils ont loyé partout. Mais vous comprenez? Vous comprenez cette histoire? On comprend. Non, tu as mal joué ta vie. Je ne veux pas te lâcher. Ah? Écoutez très bien. Hein. Donc, c'est toi qui as informé la brasse. Maman, coton, je n'ai pas l'écoute, c'est bon. Moi aussi. Moi, je dis quoi, les gens. Si tu as les vendiques, on travaille. On sait que nous, la France, on travaille. C'est pas la base des vendiques. Vous connaissez ce que c'est. En tout cas, avec les révélations que tu fais, elle a le droit de répondre à ça. Je lui dis comment. Lui, au moins, c'est la base. C'est son problème, elle a qu'à faire ce qu'elle veut. Elle a qu'à faire ce qu'elle veut. C'est plutôt, elle a qu'à faire ce qu'elle veut. Moi, je ne parle pas. Parce que, par contre, j'ai l'autre, tu vois, non. J'ai rien de fille. Je n'ai rien de plus parce qu'elle est moi la baiser. Ce n'est pas parce qu'elle est moi on a baisé. Qui dit ça? Niad Barano. Attendons. On remet dans les remédies. Tu vois, mais moi personnellement j'avais refusé, tu vois. Moi je boycotte pourquoi j'ai dit parce que j'avais mes raisons. Et j'arrête de boycotte pourquoi j'ai dit parce que c'est ça, tu vois. Mais très honnêtement, est-ce que tu penses qu'une artiste pourrait dire à la base on boycotte une autre artiste? Est-ce que tu penses que c'est possible? Bien sûr, on travaille, tu vois, on va pas travailler, il y a les informateurs, il y a les vidéos qui sortaient, il y a certains artistes qui nous sortaient les vidéos des autres artistes, que ben écoute, on n'a pas vu ça, mais non, il y a toujours, comme peut-être même pas le cas de quelqu'un. Moi, Longuet était un très grand artiste, tu vois. Ouais. C'était un monsieur qui a chanté mon nom, trois fois dans ses morceaux, sans que je lui donne même un euro. Ça fait une étape sur notre chiffre, parce que j'ai vu ma façon de faire le combat, tu vois. Ouais. L'onglet est venu une fois avec une vidéo, on avait vraiment fait en ce moment, une vidéo de 20 décas, qui nous a remis la vie. L'onglet, il a même mis ça à l'époque, il avait un texte à l'entendu, il avait dénoncé 20 décas, voilà, 20 décas, la vie, elle était avec un ensemble, elle était blanc, alors la photo de Diadissu, moi, tu n'as. Mais j'ai dit à l'onglet, non, moi, je ne peux pas accepter ça. Ça veut même faire un problème avec mon équipe et moi, parce que l'équipe a cru qu'on a pris l'argent à 20 décas derrière, tu vois. À cette époque-là, l'idiot qu'on a fait calibrer était parti monter un truc comme quoi l'ambassade de Paris nous aurait donné 500 euros en grand, mais moi, Paul est en train de parler. Si l'ambassade pouvait donner l'argent, Paul est un artiste, c'était bel et bien Kati. Non, pas Bendeka, Bendeka Peki. Et Kati, qui était l'artiste du peuple à cette époque en 2018, c'est elle que moi, il chantait, c'est tous les sens. Donc j'ai dit à l'ambassade, non, je ne peux pas me baser cette vidéo de Bendeka pour boycotter Bendeka. J'avais refusé. Mais les gens ont dit, écoute, la fille, parce que dans la vie psychologique, la loi n'est pas rétroactive. Si toi, tu jamais, tu dis, tu rentres à la maison, tu dis à tes enfants, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir un enfant dehors à 18h. C'est la nouvelle loi que tu te mets chez toi. Ouais. Mais si peut-être ton fils, l'un de tes fils, papa, hier, elle était au parc à 18h, ben toi, dis non, alors il y a eu quoi? Toi, tu dis à partir d'aujourd'hui, tout ce qui était passé, tout ce qui s'est passé hier, quand tu ne regardais pas. Toi, tu dis à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir un enfant à 18h. C'est que même si elle est rentrée à minuit, ce n'est pas ton problème. Toi, tu mets ta loi aujourd'hui. Tu
Quand tu parles de, par exemple, peu que le nôtre avec vous, c'était par exemple donner ce genre d'informations sur les artistes à boycotter, les positions, je ne sais pas. Peu pour quel rôle. Elle jouait le rôle d'indique. Tu vois? Et puis tu te parlais. Moi, j'ai dit la personne de l'OLE invitait beaucoup. Moi, j'ai le nom, c'est Chantal ici. C'était Chantal ici. C'était Chantal ici. Moi, Chantal ici, elle avait, et à un moment donné, elle avait beaucoup d'informations. Même le département de Biatouan. Alors, on en sait souvent comment c'est. Partagez. Lolo, il paraît que tu nies que tu... Ce n'est pas moi qui t'a présenté Chantal Ayissi. En tout cas, vous, ça, tu sais, les gens de ton acrabie sont toujours classe, sont toujours très mythos. Quand on quitte Facebook et qu'on éteint nos téléphones, et on veut se coucher pour dormir. Dans ton âme, conscience, esprit et tout, tu le sais très bien que c'est moi. Amoureux de ma tête, qui t'a promis après une demande que je veux te mettre en contact avec Chantal ici, mais tu dis que ce n'est pas moi, maman. Je te fais ça, c'est-à-dire que je te fais comme les policiers, les généraux font souvent entre eux comme ça. Tu comprends? Je te respecte. Tu es vraiment mytho. Tu as déjà oublié les supplications à partir de Annemars, Annecy. Tu m'avais fait gagner une prestation à Annecy avant le COVID. C'était le jour du 8 mars. Chantal Ayissi m'a appelé pour me souhaiter bonne fête de la femme. C'était un dimanche. Elle m'appelait en vidéo et j'étais avec toi. Il y avait Nathalie Dache qui était aussi assise sur la même table que nous avec les Cécile Ndema de l'autre côté. Cécile Ndema peut témoigner le jour là on était ensemble. Nathalie Dache peut témoigner, on était ensemble. Le jour là même, Steve Fa peut témoigner avec Barak, Grand Barak à Annemasse. Le jour là, si c'est Annecy ou Annemasse, je ne sais plus d'où on était. On était au terminus de la France, quelque part avant la frontière Genève-France. Tu le sais très bien dans ton intérieur et ta conscience. Que, comme apparemment tu dis que ce n'est pas moi qui t'ai présenté Chantal Ayissi, mais je regrette. D'avoir appelé Chantal Ayissi et de lui dire que Lolo veut que tu viennes à son émission. Et que même Chantal Ayissi a refusé et que j'ai insisté. J'ai supplié pour ton bien. J'ai dit non, tu es notre compatriote, on doit te soutenir parce que je croyais que tu étais une bonne personne. Parce que je croyais que tu avais une belle âme. Vous n'aviez pas besoin de me croire, je dis la vérité. Vous comprenez? J'ai pas besoin de mentir. J'ai pas besoin de venir m'asseoir pour vous raconter des balivelles ou des inepties. J'ai pas besoin d'inventer des histoires pour que vous me compreniez. Je le dis, hier c'était la fête des morts. J'ai souhaité à tous ceux qui sont morts avant nous que leurs âmes se reposent en paix. Je le dis en toute sincérité que c'est moi qui mets le lot en contact avec Chantal Ayissi. C'était en 2020, au mois de mars. Ce n'était pas ni août, ni janvier, ni février. C'était au mois de mars. Vous comprenez? C'était avant le 10 mars. Si vous regardez le calendrier du mois de 2020, vous allez voir que le 8 mars était un dimanche. Lolo m'a fait presser dans une boîte de nuit là-bas. Elle avait négocié avec le mec et j'ai presté là-bas. Et elle m'a supplié, pardon, à quoi j'aime Chantal ici. Je rêve de parler avec elle. Oh, je l'aime beaucoup, c'est mon artiste préféré. Elle m'a fait la talakou de Chantal ici que j'ai dit à Chantal ici que voilà une fan ici. Quand elle m'a appelé, j'ai dit, voilà une fan ici, là. Après, comme il y avait les bruits, ils ont parlé vite. Après,
j'ai promis à Lolo que ne t'inquiète pas. Chantal Ayissi ne voulait pas. Elle ne voulait même pas entendre, ni parler, ni... Elle dit, non, je ne veux pas ma fille. Je ne veux pas, je ne veux pas de problème. J'ai dit, non, elle est une belle personne. Dans mon âme, je croyais qu'elle était une belle personne. Aujourd'hui, apparemment, tu viens te mettre devant des gens, comme vous aviez beaucoup de vues, tu dis que ce n'est pas moi, en tout cas, ce n'est pas grave. Les personnes comme toi sont des éternelles ingrates. C'est ça qui t'a dit, ça je le dis. Bon, je n'ai pas dit que ma parole, c'est une parole de manger, mais moi j'ai décidé, j'ai vécu quoi, tu vois. Mais tu penses que, madame Aïssi pouvait donner des informations à Lolo sur la base de quoi? Tu ne veux pas donner des informations à Lolo. Quand ça rentre, on est donné beaucoup d'informations à Lolo, c'est Aïssi. Voilà. Tu n'as pas de leur amitié, parce que Lolo a dit justement... Tu ne veux pas de leur amitié, pareil, non. Elle fait bien simplement de Lolo Aïssi. Ah, les gars, là, vraiment, tu as vu les gars, là. Et elle a bien joué. C'est là qu'elle venait, machin, et percute, machin, machin, et percute, machin. Jusqu'à ce que maman un jour, j'avais même vu dans son direct où c'est moi qui avais mal vu. J'avais vu, elle avait mis la photo de Chantal Haï sur son mur. Ou bien, je ne me rappelle pas. Vous savez, nous qui n'étions pas à l'école, là, on a les mémoires un peu bêtes, courtes. Je crois que dans ce direct, il y avait la photo de Chantal Haï, sinon, ou Valérie ment. Si je ne me trompe pas, venez me dire. Je voyais, il y avait la photo de Chantal ici sur son mur. Hey, maman, on peut être comme ça. Les gars sont les salopes. Attends, ils sont petits. Ils sont les chiens, ils sont même là. Ils sont au courant de vous là. Ils sont les chiens. On a fait les voler les chiens comme ça. Et ils sont à l'oreille, ils sont en passant, je l'ai dit, ils sont en train de nous appeler. Non, en fait, c'est tout. Là, tu serais en train de dire, je parle conditionnel, tu serais en train de dire que Lolo s'est servi de Chantal ici. Non, en train de dire que Lolo s'est servi de Chantal ici. Non, tu peux parler de conditionnel, moi, je ne suis pas là. Non, en fait, bon, là, c'est les vidéos de YouTube, parce que je vous ai dit que moi, je n'ai pas mes informations. Chantal ici ne savait pas. Très bien. Nyat, vous voyez, c'est un ami. Quand on est rentré, c'est Nyat même. Parce que nous, on a pris le vol pour... Je n'ai pas compris pourquoi nous, Marc-Christine Bonsenement, on l'a fait voyager par Yaoundé. Non, au même moment que nous, on était à Yaoundé, c'est Nyatme qui m'a dit, il m'a envoyé, on a voyagé dans le même vol. Le fameux 11 février, là, on était ici. Donc, Lolo était dans l'avion avec nous. C'est Nyat qui me dit, il m'a. Donc, il avait des informations, tout. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que oui, tu as voyagé avec nous. C'est Nyat qui m'a dit ça. Parce que moi, elle dit, ouais, j'ai voyagé avec vous en premier en business class. Elle n'a jamais voyagé avec nous en business class. Elle était attachée en bas là-bas. Même arrivée ici. Donc, nous, elle est une ancienne attachée. L'aéroport. Donc, on a des délinquants. Attachée. J'ai dit, comment tu as les informations? Comme Nyat dit que, comme Lolo les a trahis, il faut se savoir qu'elle aussi. Oui. C'est la brasse. C'est les Nyat qui ont fait rapatrier Lolo. Là, là, là. Là, là, là. Même jour. On a atterri à Yaoundé, non. Pourquoi nous, même que si vous et moi, on doit aller à Douala. Il y avait la guérilla. C'est un cas. À cause de financer beaucoup d'états. Elle donne les informations. Chantal, il s'est trahi. Chantal, il s'est aussi. Voilà Nyat qui parle. Elle ne savait pas. Voilà, Marchand dit qu'elle ne savait pas. Donc, dans la base, nous avons vu, dans l'avion, dans la voiture, on allait prendre le vol à Yaoundé. Et quand je disais que, Lolo a dit qu'elle reste. Maman, quand ils ont pris ça, on dit que la façon qu'on a arrêté Lolo, il y avait des policiers, là, seulement, des menottes et tout. Elle a passé le temps, l'avion, en bas, à l'aéroport à Yaoundé. Elle avait menotté. Et elle était à l'aise puisqu'elle aime bien ça. Elle était à l'aise. Tu as voulu jouer avec les gens. Donc tout ce que Marchand te disait, tu venais dire. Tu as vu, en tout cas, continuons. Écoutons seulement notre ami Nyat. Vous allez comprendre qui est Lolo. Continuez à lui faire confiance. Parce que c'est réel. Non, c'est pas pour le site, c'est réel. Okay. Donc, un truc que moi, je suis avec elle, pourquoi tu me dis que tu vas aller parler au consulat?
Ce jour, donc c'est elle, parce que c'est comme ma chanel, les gens là. Ma chanel disait, elle a appelé les gnades. Ils savaient que Poubia est à Genève, Poubia est à Paris, ils ont loyé partout. Mais vous comprenez? Vous comprenez cette histoire? Donc, Lolo, tu as mal joué ta vie. Je ne veux pas te lâcher. Oui, écoutez très bien. Oui, veut. Donc, tu étais. Donc, c'est toi qui as formé la brasse. Maman, coton, je n'ai pas l'écoute. Les autorités camerounaises vont attendre. Si tu as des vendiques, on travaille. On fait que nous, la France, on travaille. C'est pas la base des vendiques. Vous connaissez ce qu'on appelle. Parce qu'avec les révélations que tu fais, elle a le droit de répondre à ça juridiquement. Lui, au moins, c'est la base. C'est son problème. Elle a qu'à faire ce qu'elle veut. Elle a qu'à faire ce qu'elle veut. C'est du tout. Elle a qu'à faire ce qu'elle veut. Moi, je ne parle pas. Parce que moi, j'ai rien de l'autre. Tu vois, moi, non. J'ai rien de ceci. Je n'ai rien de ceci. Parce qu'elle est moi, on a baisé. Ou parce que. Donc, moi j'ai raison de me dire qu'il m'a trahi. Elle m'a trahi, elle est partie, donc elle a acheté notre amitié, notre confiance avec de l'argent. Tu vois, elle est partie vendre ça, acheter notre amitié avec de l'argent. Elle s'est dit, mais demande à la gueule, ça puisque le est parti par Yaoundé. Elle est partie signer le contrat, mais aussi mon nom et mon nom de mon frère. Tu vois un peu? Mais c'est là que je me suis fâché. C'est pas ça, on est tous seuls.
Elle faisait rien, elle faisait semblant que mon neveu pas affiché. Le travail avec moi, avec mon équipe. Il y a les preuves. Mais une des causes, c'est que quand Dorcas fait le direct pour vouloir accuser tout le monde de ses conneries, elle devait faire une sortie pour dire que c'est faux. Elle ne va pas une sortie. Dorcas. Elle va pas faire la sortie. Pour elle, il faut qu'on l'enterre, Flo. Tu vas voir, il faut qu'on l'enterre, Flo. Ben écoute, Flo est une personne, elle est comme elle est, elle fait ses classes comme elle est, mais c'est une personne très gentille, elle ne se mélange pas. Tu t'en remarques, quand il y a un sujet qui me fait comme ça, Flo, laisse en mettre ça. Ouais. Mais c'est l'équipe de clash. Mon mari m'a fui, mon mari m'a mon argent, ma femme m'a fait dire, elle peut parler, elle a parlé, elle s'amuse à galérer, tu vois. Et les gens sont en train de faire en Europe, pour dire, c'est les gens qui vivent sur le sol. Mais les vidéos de plan sont pour eux comme une thérapie, tu vois un peu. Donc elle ne fait pas ça. Qui a baisé qui? Nyat a baisé Lolo, et le grand frère de Nyat a baisé Lolo à la cave sans matelas. Est-ce que ça te va? C'est pas moi qui dis. Nous écoutions ensemble. Qui a baisé qui? C'est Nyat qui a baisé Lolo. Et Nyat est Lolo, c'est ce qu'elle dit. Et elle dit que son frère l'a aussi baisé à la cave. Il était là. Valérie dit toujours les vérités. Oui, c'est. Comment non, Flo devait te payer même pour ça. Elle devait te payer pour ça, mais écoute, elle s'est pas amusée à galérer. Moi, je dis jamais, moi, je dis quoi, je ne peux pas dire, dire ou non pour ça, mais moi, je dis de mon côté, non. Après, les gens vont faire elle. Tout le monde va faire elle. Jamais, on va faire elle. En plus, à l'époque de la base, c'était mon ami juré du monde. Quel est vraiment pas me sentir à l'époque, il a payé même le téléphone. Tu vois, donc, à quel moment elle est dans la base? Flo est venu à une marche. C'était pas la marche de la base, c'était les chicoules pour les professeurs. Président, oui, je me souviens, oui. C'est que quand Lolo a dit que tu continues, je me fais Pâques, je m'en fous, je vais même plus au Cameroun. Chantal, ici, tu as fabriqué une bombe. Je te jure. Voilà. En tout cas, tu es ma soeur, nous on te suit. Même pas fabriqué. Voilà. Vous êtes là, vous, c'est vous qui connaissez les chemins, les ministres et le commissaire, le colonel, les généraux. Vous allez faire confiance à cette bêtise-là. On ne connaissait pas Veuve, excusez-nous. Il y a des gens qui m'ont dit que la Veuve laisse. Chantal, ils ne sont pas sortis. Et c'est la vérité. Ça, c'est une vidéo qui date vraiment, qui date ces derniers temps-ci. Mais c'est des jours. Vous voyez comment Facebook est, hein? Vous voyez? Donc, le nom était. Nya, il faut qu'on cause bien. Cause avec dit mon rôle que je suis parti jouer à la carte parce que moi, je ne connais pas pourquoi on m'a choisi. Parce que je ne comprends pas cette situation. J'ai été sali. J'ai fait quoi? Lolo, non, c'est comme ça que tu es. C'est comme ça que tu es, Lolo. Voilà ça. Flo s'est indigné ici avec la maman des Bogos. Pour les salaires des professeurs, je crois, au Cameroun, qui ne sont pas bien payés, tout et tout et tout. Toi, tu penses, tu dis que. C'est elle une a, elle, Flo n'est pas à la base. Toi, tu es à la base. Toi, tu es à la base. Eh, merci, et vous êtes ici. Maman, ouais, la vie. Nya vient dit que je l'ai baisé. Aïe. Je l'ai baisé. Que j'ai sommé ou pas, ça vous regarde. Je suis chez vous. Maman. Que je dors ou pas, ça vous regarde quoi? Bande de Dieu. Quand tu fais cette sortie, le lot, si elle était ouverte, elle pouvait faire. Elle pouvait t'en sortir. Elle ne peut pas faire, mon frère, elle ne peut pas faire. Elle ne peut pas faire, mais c'est normal, elle pourrait pas passer. C'est bien que moi, je suis encore vivant. Elle sait bien que je suis là. Elle sait bien que je vais le prendre. Parce que moi, je fais un direct vraiment à la recette, mon mur sera débloqué. Parce qu'il faut qu'on rétablisse la vérité, tu vois. Il faut voilà. Rétablir
Nous avons la vérité. On va tuer une personne pour rien. On doit rétablir la vérité. Voilà. Et cette vérité-là, comment je recherche toujours dans ma vie. Parce que quand on voit ce qu'elle a voulu créer, son esprit du banni par lequel elle a voulu créer, c'était évident. C'était évident. Quand il y avait cette guerre qui parle, au lieu qu'on calme les choses, elle a voulu plutôt essayer de créer un mouvement où, je ne sais pas, un mouvement qui allait constituer une pensée à qui qu'elle utilisait les Camerounais, tu vois. Bah, dis-moi un peu, écoute, vous connaissez un personnage, j'ai oublié de voir. Moi, j'ai dit un truc quand je l'ai su, tu m'as amené de gouverner. Quand j'ai dit un truc simple, tu m'as amené à gauche, droite, non, pas. Non, mais déjà, parce que déjà, le truc, elle m'a fait agresser. Les gens pensent que c'est la rigolade. J'étais tombé dans un pied. C'est elle qui a organisé ce truc quand je parle. On va foutre en haut d'agression, là, man. Moi, je vais t'envoyer à expliquer. Quand tu veux, tu vas faire un dépôt, le plein. Moi, je m'en fous. Moi, je n'avais pas touché, mais moi, on m'a renvoyé. Il s'est arrêté. Il m'a arrêté quand même. Parce que c'est pas numéro 1. Elle m'a renvoyé. Quand on va, je ne sais pas pourquoi tu tournes depuis agression, là, voilà. Vous entendez? Niat est en train de dire que Lolo les avait envoyés d'attraper du camin, de le déshabiller et de filmer et de l'envoyer. Valérie dit toujours la vérité. C'est ce qu'on entend là. Maman, on peut être comme ça. Ouais, les gens du pays, vous appelez sur WhatsApp, vous appelez. Attendez, je veux vous gérer. Hey! On va aller voir tout ça. Les gens pensent peut-être que tu parles comme ça par méchanceté. Maman! Je t'avais dit ça à l'époque. C'est elle qui nous avait envoyé après. Elle a financé la chaîne ensemble, 100 euros. Elle a financé notre département. Ça y est, après, on va. Walter, la puissance qui est témoin de ça, justement, j'ai jamais oublié Walter. C'est après Walter, le gars, il est avec toi. Il a même fui là. Hey, yeah! Mais Jean, Marchand dit que vous qui êtes les avocatiers et les juges de Lolo, là, que vous jugez que nous autres, on est. Marchand dit que si Lolo est une femme, qu'elle met les voices et les enregistrements. 1.2 crée. Et Marchand a demandé à Lolo d'aller demander à Chauve-Souris Mbarga comment elle se bat. Parce qu'elle avait fouetté le clan d'Embarga. Vous comprenez? Moi, je suis l'envoyé spécial. Je répète ce qu'on me dit. Maman. Hey, yeah. Donc, Lolo travaillait avec la basse. Elle venait taper le ventre de Marchand. Par exemple, quand elle dit Marchand, tu sais que. On dit que par Paul est ici, comme ça, Marchand aussi dit que oui, il est même là, il est à Genève. Elle partait, courait vite, elle disait à la basse, maman Lolo, qui es-tu? Maman, tu es qui, maman? Hey, yeah! Fleur de Lille! On t'aime comme tu es, on peut faire que nous les bêtises, on t'aime comme tu es, on peut faire que toi tu viens, tu nous insultes comme tu fais souvent. Mais ça, ça reste là. Pas que derrière, tu fais encore les plans sur nous. Maman, c'est ce qu'on appelle la méchanceté. Lolo, tu es méchant. À partir du moment même que tu as fait que Yonita s'enregistre, que Chantal a ici, là, elle pleure, elle est venue te. Il est venu dans ton direct avec ces pleurs-là. Ça prouve que vous êtes des personnes méchantes. Vous êtes des personnes méchantes. Ça, c'est ce qu'on appelle la méchanceté. Enregistrer une dame comme Chantal a ici et faire du chantage avec, franchement,
Personne n'est parfait sur terre. Chantal, c'est pas la Sainte Vierge Marie. Elle a ses défauts et des qualités, mais à un moment donné, nous devons quand même apprendre à respecter nos aînés. Quand tu es même avec une aînée, tu respectes même que non, cette personne me dépasse même en âge d'un an ou de 6 mois ou de 2 ans. La méchanceté n'est pas bien. Au lieu que les gens qui t'entourent, qui viennent s'asseoir pour dénigrer les bêtises, que oh, les bêtises sont comme ça, les écans, au lieu qu'ils te donnent des conseils, que non, quitte sur ça. Ton nom est déjà trop sali sur des choses comme ça. Ils viennent, ils parlent. Est-ce que nous, on écoute même ça? Moi, je n'écoute pas ça. Je n'écoute pas les salutologues. Je suis désolée, je n'écoute pas des conneries. Je sais que c'est tout le monde qui veut se faire voir sur des réseaux sociaux et surtout quand il s'agit des noms qui sont déjà connus sur des réseaux sociaux. Ben oui, ce n'est pas méchant. Il y a tout le monde qui veut se faire connaître. Alors, il faut automatiquement parler. Oh, Valérie Amourou, c'est un nom très facile à prononcer. Valérie Amourou. C'est dommage, quoi. Vous qui aimez le lot et vous qui êtes dans sa team, donnez-lui des conseils. C'est très important. Que de venir là m'insulter de tous les noms, ça ne va rien changer. Les injures, je les connais déjà. Ça ne change rien dans ma vie. Ce n'est pas ça qui m'empêche de mbinda ou de boire ou de danser. Dites-lui les vérités qu'il faut qu'elle se calme, qu'elle se ressaisisse. Dans la vie, si parfois, il faut conseiller et il faut que la personne écoute les conseils. C'est très important. Vous comprenez? Il faut que la personne écoute les conseils. Il faut que vous lui donnez. Moi, souvent, par exemple, moi, je vais vous dire une chose. Par exemple, quand j'étais en colère contre Kabel, il y a Katino qui m'a appelé. J'étais même étonnée que Katino m'appelle pour me dire que non, tu as déjà trop dénigré ta soeur. Laisse comme ça. J'étais choquée même que c'est Katino. Katino m'a dit ça. Katino m'a dit, Amougou, tu as déjà trop parlé. Non, c'est bon, c'est ta soeur. Laisse. Je l'ai écouté, j'ai dit ok, que j'entende, je n'entends plus aussi qu'elle a fait le Congo ça sur moi et j'ai arrêté. Katino m'a encore appelé pour les chauves, je lui ai dit qu'il faut que si les chauves ne parlent plus de moi, je vais arrêter. À un moment donné, il y a aussi des gens qui sont autour de toi qui peuvent te conseiller que non, tu as déjà trop fait ou ce que tu fais n'est pas bien. Dites-lui que son nom sort de partout et dans des saletés pures avec des preuves à l'appui. Voilà Niat qui vient témoigner et il dit qu'il est prêt à témoigner n'importe où. Que Lolo leur donnait des informations. Mais oui, c'est ce qu'il dit. C'est dommage, quoi.